Bien, vous avez des styles graphiques que vous avez stockés, donc celui du milieu là, c'est celui-là, il est encadré. Celui-là, c'est celui-là, il est encadré. Donc c'est ces deux-là. Ok. Je vais faire une nouvelle forme ici, mais par exemple, je peux essayer avec un triangle. Pour faire un triangle, vous avez la plume, clic, 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 hein, en revenant sur le premier point, ou alors vous pouvez utiliser l'outil polygone. L'outil polygone qui est caché derrière l'outil rectangle. Et je vous montre comment ça marche pour faire un triangle. Vous tracez en faisant un cliquer-glisser. Vous avez un hexagone. Vous ne lâchez pas le bouton de la souris. Vous jouez sur les flèches au clavier pour diminuer le nombre de côtés jusqu'au minimum qui est 3. Si vous voulez que la base soit horizontale, touche majuscule. Et on lâche le bouton de la souris. Et voilà. C'est pas un message subliminal, je suis pas en train de vous parler de franc-maçonnerie ici. Hein, donc, c'est juste un triangle. Hey. Il n'y a pas de copyright sur les triangles. Alors, il arrive avec les caractéristiques du dernier objet que j'ai sélectionné, c'est-à-dire c'était le cercle ici à l'arrière que j'avais sélectionné avant de faire le triangle. Donc il arrive avec un contour. Donc il n'a pas hérité ça du style graphique, il a hérité ça de la palette des aspects. Bon, donc ici je vois que par la palette style graphique, je peux, en ayant ce triangle sélectionné, lui appliquer, ben oui, soit celui-là, soit celui-là. D'accord? Et alors qu'est-ce qui se passe si j'enfonce la touche Alt? Ok, appliquez le style de gauche comme moi, comme ça on sera synchro pour la démo. Et avec la touche Alt, cliquez sur l'autre style. Eh bien, on a combiné les styles. Ne faites pas ça plusieurs fois de suite, évidemment. Alors, quand vous regardez la palette aspect maintenant, n'oubliez pas de l'agrandir pour ne pas voir qu'une toute petite partie, bien sûr, hein. Travailler comme ça, moi je commence à en avoir marre de voir des gens qui travaillent comme ça. J'arrive pas à avoir une vue d'ensemble déjà sur leur palette, et eux non plus. Donc on agrandit. On a notre objet qui est sélectionné et on voit qu'on a les deux contours issus des deux styles graphiques, ben ils sont là, et les deux fonds également. Vous les voyez? Vous allez changer la position des fonds. Souvenez-vous que la palette aspect est comme une mini palette des calques. Vous mettez les fonds l'un au-dessus de l'autre comme il faut. Bon, ben dans mon cas, si je veux reproduire ce que j'avais là, le dégradé, il est en dessous, en fait. Hein. Il est derrière, on est d'accord. Hein. Donc je le mets derrière. Le fond qui concerne le dégradé va derrière le fond avec les motifs, si je veux reproduire ce que j'avais là-bas. Et puis on a les deux contours qui sont là au-dessus. Ok, certains parmi vous ne voient pas le contour. Certains parmi vous ne voient pas le contour de l'objet de derrière parce qu'il l'avait mis à l'intérieur. Il ne déborde pas en dehors. Bon, mais c'est pas grave. De toute façon, on doit reproduire ce qu'on avait là avec les deux objets. On doit le reproduire avec un seul objet. Et pour l'instant, on n'y est pas encore. Hein. Donc, on y va. En ayant cet objet triangle sélectionné, vous allez faire un décalage sur le fond. Le fond en dégradé, là, le fond du dessous. Donc vous sélectionnez votre triangle avec la flèche noire et plus précisément vous travaillez sur le fond en dégradé. Et on va lui appliquer un effet spécial pour l'éloigner des vecteurs, c'est-à-dire qu'il va s'élargir. Effet tracé décalage. On coche la case aperçu. On va modifier l'épaisseur ici. Je vais par exemple passer à 40. Touche tabulation pour valider. Enfin, le décalage, pas l'épaisseur. Hein, voilà. Vous voyez que ça, il s'élargit le triangle. Parfait. Hein? OK. Vous avez validé en cliquant sur OK. Si vous voulez modifier la distance du décalage, surtout,
ne retournez pas dans le menu Effet, Tracé, Décalage. Parce que là, Illustrator vous dit, tiens, tiens, t'es en train de merder, mec. Enfin, il dit, non, il dit ça poliment. Ceci appliquera une autre instance de l'effet. Donc, ça veut dire qu'on est en train de mettre un deuxième effet de décalage sur l'objet. Est-ce que c'est bien ce que tu veux faire, mec? Enfin, il dit, voilà. Alors, maintenant, pour arriver à modifier la valeur de décalage mise sur le fond en dégradé, sur cet objet, je dois, si nécessaire, déployer le fond avec le petit triangle pour voir ses caractéristiques et cliquer sur le mode décalage. Et là, je vais mettre, par exemple, 20 à la place de 40. Touche tabulation pour valider. Avec la case aperçue, ça va toujours mieux. Et voilà,